Sur Sur PowerPoint. Ça devait autoriser. Fait ça, non? Bon. C'est dommage. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va lancer cette présentation du master Solidarité et Transition durable. Voilà, on n'arrive pas à partager notre PowerPoint, mais c'est pas grave, on va faire sans. Pour nous présenter rapidement, je m'appelle Noémie Pathé et ma collègue Elena Lassida. Nous co-dirigeons le Master Solidarité. Moi, je m'occupe plutôt du parcours Action humanitaire et Solidarité internationale. Et puis, Elena présentera son parcours, donc économie solidaire et innovation sociale. Bienvenue à toutes et tous. Un grand merci pour votre présence pour ce temps de présentation. Dans un premier temps, je présenterai le master dans sa globalité. Quels sont ses objectifs, ses principales traits de fabrique. Et puis, je laisserai ensuite la parole à Elena qui présentera le parcours ESIS, le parcours économie solidaire. Je reprendrai la parole pour présenter le parcours HSI. Normalement, nous sommes rejointes par l'une de nos étudiantes, Sarah Larmé, qui témoignera de son expérience dans le cadre de ce master. Voilà, alors ce master Solidarité et Transition durable, il a pour objectif de former les futurs professionnels de la solidarité, et ce à plusieurs échelles, que ce soit l'échelle locale, régionale, nationale, internationale, et dans différents champs d'activité. Alors pour présenter un peu plus précisément ce master, on souhaitait partir de trois exigences qui étaient à l'origine de notre réflexion, à Elena et moi, dans la construction de cette formation. La première exigence, il s'agit de considérer la solidarité comme un projet de société, puisque face au creusement des inégalités, on peut argumenter que la solidarité ne doit pas se penser uniquement comme une aide apportée aux plus précaires, mais comme un véritable projet de société, comme une nouvelle manière de vivre ensemble. Et donc, on fait ce pari-là de faire de la solidarité la clé de voûte de nos voies, de nos parcours à la fois personnels et professionnels, dans l'objectif de participer collectivement à la construction d'un monde plus juste et plus cohérent. Première exigence, faire de la solidarité un projet de société. La deuxième exigence, il s'agit de revisiter nos pratiques et nos métiers solidaires à l'ère de la transition écologique. Puisque face au dérèglement climatique et à ses effets, il est obligatoire aujourd'hui de prendre en compte les enjeux de la transition écologique et sociale, et ce, de façon transversale, à nos formations académiques, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire dans ce master, et on vous présentera un peu plus comment, par la suite. On a cherché à colorer notre formation de façon transversale avec les enjeux de la transition écologique. Et puis la troisième exigence qui est à l'origine de cette formation, c'est la mise en dialogue des disciplines et des champs d'action, puisque ici on part d'un troisième constat qui consiste à dire que eh bien, nos sociétés contemporaines sont confrontées à des crises, à des conflits qui sont de plus en plus variés, de plus en plus complexes, qui persistent, qui prennent des formes nouvelles. Et donc, pour s'engager dans le sens d'une société plus paisible, plus juste et plus responsable, eh bien, il est absolument nécessaire, en fait, de croiser les disciplines et de croiser les champs d'action. Donc, économie, droit, écologie, enjeux environnementaux, sociologie, relations internationales, etc.
On cherche en fait à rentrer dans cette mise en dialogue à la fois des disciplines et des champs d'action pour apporter une approche systémique qui permet à nos étudiants de penser toutes les dimensions de la transition au fil de cette formation. Voilà, une dimension systémique, une dimension englobante qui nous semble absolument essentielle pour que la transition écologique et sociale soit durable. Voilà, alors. Trois exigences qui structurent, qui sont un peu l'ADN de cette formation. Maintenant, comment le master s'organise? En fait, le master en M1 et en M2 s'organise autour d'un tronc commun, donc avec des enseignements communs à tous les étudiants, et puis deux parcours, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, donc le parcours économie solidaire et innovation sociale, et le parcours action humanitaire et solidarité internationale. Donc, je te laisse la suite. Merci Noémie. Donc, du coup, voilà, je vais préciser un petit peu plus autant le tronc commun et puis le parcours économie solidaire. Et puis, Noémie poursuit avec le parcours action humanitaire et solidarité internationale. Alors, pour le tronc commun, donc ça veut dire commun aux deux parcours, en M1, nous avons trois unités. Et une unité qui est plutôt sur la mondialisation économique, politique et sociale. Donc, c'est un petit peu culture générale sur toutes ces questions de globalisation, mondialisation au niveau autant économique, politique et social. Et ensuite, une deuxième unité qui est plus les enjeux de la solidarité. Donc là, on va rentrer plus directement sur des questions qui concernent la solidarité, autant par rapport à déjà quelques pratiques de l'économie solidaire, mais aussi les droits humains et voilà, les acteurs de la solidarité. Et puis, une troisième unité qui est sur la transition écologique, car comme disait Noémie, voilà, et dans notre formation, on essaye d'articuler autant la question de l'enjeu écologique et l'enjeu de la solidarité. Donc, la transition écologique avec notamment un séjour de 3 jours dans le campus de la transition, et voilà, que c'est un lieu qui est justement en forme un petit peu à la transition écologique, mais en vivant au milieu d'un cadre justement qui est en cohérence avec cette transition écologique. Et voilà, et puis il y a aussi dans ce tronc commun des séminaires plus techniques et d'autres plus méthodologiques, puisqu'à la fin de l'année, il y a un mémoire à faire et une soutenance. Donc, c'est surtout la méthodologie pour le mémoire. Et puis en M2, c'est-à-dire en M1, on a la plupart des cours sont dans le tronc commun, et en M2, on inverse, c'est-à-dire que on va voir la plupart des cours sont par parcours, mais on va voir encore un tronc commun et qu'on appelle justement solidarité écologie, donc avec quelques grands enjeux de la solidarité et de la transition écologique qui sont encore communs autant à l'économie solidaire que à la solidarité internationale. Mais là, dans chaque parcours prend une place plus importante en M2. Je continue avec le parcours économie solidaire. Et avant de repasser la parole à Noémie, donc le parcours économie solidaire et innovation sociale. Et voilà, c'est quand on dit économie, parfois ça fait peur parce qu'on a l'idée que l'économie, voilà, on l'associe à des chiffres, à des modèles mathématiques. Et en fait, l'économie solidaire, justement, est une économie qui va intégrer toutes ces dimensions sociales et environnementales. Et donc, l'économie n'apparaît pas uniquement comme un producteur des biens et services, donc comme quelque chose de très technique qui cherche à expliquer la production et la satisfaction des besoins, mais plutôt comme un médiateur social. Et donc, l'idée, c'est de voir comment cette économie peut être mise au service du bien commun, au service de la solidarité, au service
service de l'utilité sociale. Et donc, du coup, on voit bien comment l'économie sociale et solidaire va beaucoup développer et approfondir tout ce que sont des logiques de coopération et de collaboration et pas uniquement de concurrence. Donc, voilà, c'est l'idée que l'économie est une manière de faire de la solidarité, mais une solidarité qui ne prend pas la forme d'une aide, mais qui prend plutôt la forme d'une réciprocité. Et donc, c'est comment, justement, même avec des publics plus précaires ou plus en situation de fragilité, on peut établir une réciprocité. Donc, c'est tout l'enjeu de l'économie sociale et solidaire. Et c'est justement de pouvoir intégrer les personnes qui se trouvent plus en situation de précarité ou de fragilité dans la réalisation d'un projet commun. Et donc, voilà, dans l'économie sociale et solidaire, on a aujourd'hui plein de secteurs et des pratiques différentes, le commerce équitable, les entreprises d'insertion, le microcrédit, les monnaies locales complémentaires, les régies de quartier, voilà, et les accorderies. Il y a aujourd'hui une multiplicité des pratiques, beaucoup d'innovations, justement, dans cette manière de faire de la solidarité à travers de l'économie. Et donc, on voit un peu aussi large que possible tout ce panorama des pratiques. Et donc, c'est une formation qui prépare à travailler, je dirais, autant dans le secteur associatif, qui est évidemment un secteur clé de l'économie sociale et solidaire, mais également dans le secteur entrepreneurial, donc dans les entreprises privées, autant dans les grandes entreprises, notamment à travers la RSE, mais aussi dans les entreprises sociales, et puis également dans le secteur public, puisque de plus en plus, notamment dans les collectivités locales, il y a des départements et des services qui sont consacrés à soutenir les pratiques de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, la formation permet autant de découvrir cette multiplicité de pratiques que de développer, d'acquérir des outils très techniques pour pouvoir y travailler. Et donc, c'est un peu dans cette double approche théorique et pratique de voir un peu l'économie autrement que dans l'économie classique et en même temps de devenir un acteur et qui peut tout de suite s'insérer dans les différences pratique de l'économie solidaire. Et donc, juste pour évoquer quelques métiers rapidement, alors je disais, on peut travailler dans la RSE, donc responsable des RSE, chargé de projet, chargé de partenariat, chargé de communication, chargé d'insertion, chargé de mécénat, expert en évaluation d'impact social, voilà. C'est tous les métiers, si vous voulez, qu'on a dans l'économie, mais qui vont prendre toute une dimension un peu nouvelle du moment qu'ils s'inscrivent à l'intérieur des pratiques de l'économie sociale et solidaire. Voilà un aperçu rapide du parcours économie solidaire et innovation sociale. Et je redonne la parole à Noémie pour le parcours action humanitaire et solidarité internationale. Merci, Léna. Voilà, donc le parcours donc AHSI, Action humanitaire et solidarité internationale, qui tout comme le parcours ici, ça commence dès la moitié du M1, rassemble des étudiants qui partagent des caractéristiques communes. Je pense que ce sont des étudiants qui souhaitent agir auprès de personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont touchés soit par les conflits, par les épidémies, par les situations de famine, de catastrophes naturelles, etc. Qui souhaitent se placer au plus près de leurs besoins dans un principe de non-discrimination, sans discrimination de nationalité, d'origine, de sexe, de religion, etc. Et qui souhaitent assurer des responsabilités très variées. Et je pense que c'est une des caractéristiques du secteur de la solidarité internationale. J'y reviendrai. C'est la très grande pluralité en fait des missions que peuvent adopter les acteurs de ce secteur au fil de leur carrière. Voilà. Et puis des interventions au sein d'équipes internationales, souvent extrêmement riches, dans des contextes souvent difficiles, mais très enrichissants. Et puis, ils partagent également une caractéristique, c'est que
Il s'intéresse à comment les enjeux de la transition écologique impactent les pratiques professionnelles et les modes d'organisation du secteur de la solidarité internationale. Quel type d'impact, en fait, comment ce secteur doit prendre en compte les enjeux de la transition écologique et se réinventer, se réajuster, réimaginer les pratiques et les modalités d'organisation. Je pense que ça se joue sur différents plans. Depuis la réduction de l'empreinte environnementale qui de plus en plus est prise au cœur de toutes les étapes du cycle de projet, mais ça passe aussi par la prise en compte des facteurs environnementaux dans la compréhension des conflits, des situations de crise par exemple. Ça passe également par l'analyse des vulnérabilités, de l'accroissement des vulnérabilités rencontrées face au dérèglement climatique et comment un projet de solidarité internationale doit prendre en compte en fait le côté multifactoriel de ces crises, voilà, etc. Il y a différentes manières de prendre en compte les enjeux de la transition écologique dans le secteur de la solidarité internationale. Ce parcours à HSI, se veut, tout comme le parcours S6, hein, se veut une formation professionnalisante. L'objectif est de rendre nos étudiants directement opérationnels en sortant du master. Et pour ça, on a des enseignants à la fois universitaires, donc de différentes disciplines, et puis des experts, des enseignants professionnels qui travaillent dans le milieu des ONG, des associations, des organisations internationales depuis plusieurs années et qui sont reconnus pour leur expertise. Différents types de cours, hein, à la fois donc plus théoriques et plus pratiques techniques, donc des cours de droit, des cours de gestion de projet à toutes les étapes de la gestion de projet, hein, depuis la recherche de financement jusqu'à l'évaluation du projet, des cours sur le plaidoyer, sur la communication, les enjeux de maintien de la paix, d'accès à la santé, des cours de géopolitique qui permet de rentrer dans la complexité, par exemple, des conflits armés, des situations de génocide, de crimes collectifs, de démocratisation, de gestion de conflits, etc. Et puis des cours sur les outils du management, par exemple, ou encore des cours d'éthique appliqués au secteur, notamment des ONG. Alors, de quoi on parle quand on parle d'acteurs de la solidarité internationale? On parle d'abord de quatre grands secteurs. D'abord, les projets de développement et de prévention des conflits, c'est-à-dire des actions qui visent à renforcer la capacité des pays partenaires, en général des pays du Sud, dans l'objectif de favoriser le développement économique et social. On parle aussi des activités de coopération qui peuvent se jouer, par exemple, entre plusieurs collectivités territoriales. On parle également du secteur de l'humanitaire d'urgence, dans lequel il s'agit d'intervenir pour faire face à des situations de crise. Comme une catastrophe naturelle, un conflit, etc. Et puis, il y a le secteur des droits humains et droits humanitaires, du plaidoyer et des relations entreprises-ONG, que l'on distingue également dans ce champ. On peut rajouter le secteur de l'expertise et de la formation, puisque bien souvent, les acteurs de la solidarité internationale, après quelques années, en fait, deviennent eux-mêmes formateurs. Quels sont les métiers de l'humanitaire, du développement, de la coopération? Et donc, du coup, les métiers vers lesquels s'orientent nos étudiants. Donc, il y a le premier débouché, c'est donc chargé de mission, chargé de projet, qui organise les opérations, qui gère l'équipe de volontaires, qui analyse la situation du pays d'intervention, qui est en lien avec les autorités locales, qui fait le lien avec le siège et le terrain, etc. Mais on parle aussi, il y a aussi comme débouché les collecteurs de fonds, les coordinateurs, les administrateurs, les animateurs sociaux, les chargés de plaidoyer, c'est un débouché important pour nos étudiants, également chargés de communication. Ces différents métiers se mettent en application dans différents types de structures, à la fois les ONG, les grandes associations, mais aussi les plus petites et moyennes associations, les organisations internationales, comme les organisations onusiennes, par exemple. Ça peut être aussi dans des établissements publics, des administrations ou encore des collectivités territoriales.
Voilà, pour vous donner quelques exemples de structures dans lesquelles nos anciens travaillent aujourd'hui, ça va aller du CCFD Terres Solidaires à Médecins du Monde, à l'ONU, Secours catholique, Médecins sans frontières, le Solidarité internationale, WWF, Douleurs sans frontières, Solidarité Sida, Amnesty International, la FIACAT, etc., etc. Et dans des secteurs d'intervention extrêmement variés, hein, que ce soit voilà, les droits humains, l'accès à l'eau, à l'éducation, l'insertion, la protection de l'environnement, gestion de crise, gestion de catastrophe, l'accès à la santé, au médical, au paramédical, la sécurité alimentaire, le développement rural et l'agronomie, le développement du commerce équitable, la microfinance, et c'est là qu'on voit nos deux secteurs se croiser, et effectivement, ça fait sens que l'on travaille ensemble dans le cadre de cette formation. Voilà, donc des secteurs d'intervention très variés, des métiers très variés, qui caractérisent ce secteur de la solidarité internationale, et notre objectif, c'est à la fois de former nos étudiants voilà, une compréhension englobante des enjeux de ce secteur et en même temps de sortir de la formation directement opérationnelle dans le métier et dans le secteur d'intervention de leur choix. Voilà. Alors, je ne sais pas si Sarah est avec nous. Maintenant, non? Non, Non. hein? Non. Et Sarah? Donc Sarah, qui est une de nos étudiantes, qui a été déléguée l'année dernière de façon tout à fait brillante et qui a accepté de témoigner, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas connectée. Du coup, peut-être en attendant, Sarah, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, Sarah? Vous avez la possibilité de prendre la parole? Il faut nous la... Je sais pas. Je crois que c'est Voilà. bon, il faut arriver. Allié. Formidable. Merci beaucoup, Sarah. On vous laisse la parole si vous souhaitez, voilà, partager en quelques minutes un peu votre expérience dans le cadre de ce master. Quels sont les points qui vous ont marqué, voilà, et puis peut-être vos projets pour la suite. Ça marche, ok. Bah, merci beaucoup à toutes les deux de l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler du master. Bah, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un peu bizarre parce que je ne vous vois pas, mais bon, vous êtes une vingtaine quand même, donc c'est cool de pouvoir vous parler. Alors moi, je viens du travail social, plus précisément de l'éducation spécialisée. Et en fait, j'ai travaillé pendant 5-6 ans et j'avais vraiment envie d'aller plus loin que le travail social. Et du coup, j'ai cherché un peu les masters qu'il y avait. J'ai discuté avec Elena et en fait, je me suis rendu compte que c'était un master qui correspondait le plus à ce que je cherchais. Donc vraiment, comme Elena et Noémie vous l'ont dit, un équilibre entre bah, les savoirs académiques, mais aussi l'ancrage sur le terrain avec beaucoup d'intervenantes professionnelles. Parce que, alors moi, je suis en parcours économie solidaire et innovation sociale, du coup pour préciser le parcours que vous a présenté Elena, et je suis en master 2. Voilà, j'aurais dû le préciser au début, mais ça c'est fait. Et donc effectivement, je disais que les intervenants, donc il y a à la fois des intervenants académiques, mais aussi des intervenants professionnels. Ils sont tous aussi passionnants les uns que les autres, et je sais que c'est pareil pour le parcours en solidarité internationale. Il y a forcément des intervenants qui nous intéressent moins, mais à chaque fois, il y a au moins plusieurs personnes vraiment qui ont trouvé les interventions géniales. Et parfois, les intervenants académiques invitent des professionnels à venir présenter leur métier et à ce qu'on puisse échanger avec eux. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir un master en fait aussi ancré dans le réel et d'avoir aussi des anciens qui viennent témoigner et d'avoir leur retour d'expérience et de voir comment ils ont évolué. Et eux, ils voient aussi comment le master a évolué, parce que c'est un master qui est pas figé. C'est un master qui évolue d'année en année, parce qu'on a un duo de directrices. Il y a une vraie base d'enseignement, mais elles sont chaque année vraiment à l'écoute de tous nos retours et elles font en sorte vraiment d'adapter les différents cours qui sont donnés chaque année. Par exemple, l'année dernière, en M1, on était un peu frustrés de ne pas avoir parlé d'écologie.
Et du coup, elles ont monté un cours sur l'histoire de la pensée écologique que les M1 de cette année ont eu. Et voilà. Et ça, je pense que c'est assez rare dans un master. Bon, moi, je viens de l'enseignement plutôt public populaire, et c'est quelque chose que moi, j'avais pas eu. Alors, je peux pas trop comparer, mais voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça très précieux d'avoir ça en master et d'avoir aussi des sujets assez innovants. On a eu dans mon parcours une introduction à la méthodologie de recherche en croisement des savoirs. Je vous laisserai regarder ce que c'est, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais voilà, c'était vraiment incroyable. On a eu aussi une introduction à la démarche d'évaluation de l'utilité sociale, qui est un sujet qui est de plus en plus présent à la fois dans les structures de l'ESS, mais aussi dans la solidarité internationale. Ça, c'était super intéressant. On a aussi eu là, c'était un séminaire avec toute la promo, du coup plutôt technique sur la communication non violente. Voilà, qui sont vraiment, enfin, en tout cas, qui introduit vraiment des nouvelles manières d'être en société, mais aussi d'être dans le travail et comment manager une équipe. Parce que manager une équipe, c'est clairement les métiers vers lesquels on va aller voilà, plus tard. Moi, en termes de perspective, j'essaye de faire vite, concis. Moi, c'est un peu particulier parce que je suis arrivée dans le master avec déjà un projet. Moi, je suis très intéressée par les tiers-lieux solidaires. Voilà, donc si vous êtes parisien, vous avez peut-être déjà entendu parler des grands voisins du village Reille ou de Coco-Valtène à Marseille. Voilà, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et du coup, moi, je veux continuer à aller par là pour à terme pouvoir en monter un, notamment avec les personnes en situation de migration, parce que j'ai fait une formation en parallèle du master sur les migrations. Mais tous dans ma promo, on est une petite dizaine dans mon parcours cette année. Et en fait, on va tous sur des dans des directions différentes. Et ça, c'est vraiment génial parce que en fait, on vit pendant 2 ans vraiment avec notre promo au sein de l'Université catholique de Paris. Et voilà, donc on partage les mêmes choses. Et à la fois, on va partir sur une diversité de métiers plus tard qui est assez impressionnante. Donc là, cette année, il y a Adriana qui est partie plutôt sur le travail en RSE et en fondation. Daniel, il est plutôt parti sur les microcrédits. Chloé, elle est au Pérou en ce moment et elle travaille avec des agriculteurs en agroforesterie. Il y a Capucine qui fait son stage en ferme urbaine. Il y a Louise qui travaille plutôt sur la manière dont repenser la mode chez ReFashion. Enfin, voilà, il y a plein de manières différentes d'arriver dans ce master parce qu'on vient tous de milieux complètement différents, mais aussi de sortir après. La force de ce master, c'est vraiment on est des spécialistes généralistes de l'ESS et de la solidarité internationale. Donc parfois, c'est frustrant parce qu'on n'est pas spécialisé sur un seul sujet, mais en fait, on a une base hyper solide pour être sur le terrain tout de suite et un sacré carnet d'adresses aussi. Pour vraiment pouvoir arriver dans le monde professionnel en fait dès la fin du master et même parfois pouvoir enchaîner avec nos stages de fin d'études et de pouvoir y rester pour commencer la vie active ou reprendre la vie active comme c'est le cas pour moi. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Non, non, je trouve que c'était parfait. C'était une belle synthèse avec autant du fond que des illustrations concrètes. C'était intéressant d'évoquer un petit peu les débouchés et la diversité des lieux dans lesquels les étudiants aujourd'hui s'orientent pour le stage et donc du coup ensuite pour leur projet professionnel. Et est-ce que donc du coup est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez écrire vos questions dans la colonne de chat, n'hésitez pas. Ou les, je ne sais pas si ils peuvent prendre la Je ne suis pas parole. certaine. Non. Alors, est-ce que ce master est reconnu à l'international?
Il y a alors évidemment peut-être plus solidarité internationale. Il y a plus d'étudiants qui vont travailler à l'international. Ce que je peux dire par rapport à l'économie solidaire, Sarah a évoqué le stage de Chloé au Pérou. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, en tout cas dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et ce qui est intéressant en France, c'est que il y a plus que dans d'autres pays, notamment dans les pays du Sud, mais également en Europe, il y a l'économie solidaire est devenue vraiment un objet d'étude au niveau universitaire. Et donc, ça fait que ce n'est pas simplement des acteurs militants de la cause, mais c'est vraiment des gens qui sont formés au niveau universitaire. Et donc, c'est pour l'économie sociale et solidaire, je dirais, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine ou en Asie, c'est-à-dire dans les pays du Sud, la formation est très appréciée. Justement parce qu'elle prépare autant à la pratique que à la théorie. Donc il n'y a aucun problème de reconnaissance, en tout cas du diplôme au niveau international. Ouais, je dirais tout à fait la même chose pour ce qui est du parcours Action humanitaire et solidarité internationale. Le master, en fait, à l'origine, c'était deux masters séparés, hein, et le master à l'origine de ce parcours à HSI est l'un des plus anciens masters en solidarité internationale en France. Il est dans le top 4 des masters en coopération internationale en France, et c'est un master qui a très bonne réputation à l'international. Et du coup, enfin voilà, là j'ai plusieurs étudiants de M2 par exemple qui ont pu trouver des stages assez facilement à l'international, et plusieurs anciens étudiants ont pu tout à fait s'insérer professionnellement dans des ONG ou autres à l'international. Donc là-dessus, il y a vraiment, ouais. Oui, on l'a pas dit, en fait, ce que tu viens de dire, que c'est on a été très bien classé Oui. par aide Par universelle aide universelle. dans les deux catégories, c'est-à-dire dans la solidarité internationale et économie solidaire, aussi dans tout un secteur qui inclut la RSE. Et donc, on est aussi au troisième et quatrième place. Donc, du coup, c'est des masters. Alors là, c'est de la reconnaissance en France, mais qui évidemment est aussi importante au niveau Tout international. à fait. Il y a une question sur l'année de césure et sur Erasmus. Alors, l'année de césure, c'est tout à fait possible. Chaque année, on a des étudiants qui prennent une année de césure entre le M1 et le M2. Et pour faire une expérience supplémentaire sur le terrain, sachant qu'on fait déjà deux stages, hein, l'un en M1 et l'un en M2, ce qui est vraiment une grosse richesse du master, je pense, par rapport à d'autres masters. Mais certains étudiants choisissent pour renforcer leur CV davantage, de prendre une année de césure entre les deux années de master ou avant de commencer le master. Ça peut arriver aussi, un peu moins souvent, mais ça peut arriver. Pour ce qui est d'Erasmus, on n'a pas de partenariat, disons qu'on n'a pas de convention précise avec telle ou telle université. Par contre, on a une direction des relations internationales à l'ICP qui est très active sur le sujet. Et donc, si un étudiant ou une étudiante souhaite partir dans une université précise et a repéré un parcours de master dans une université à l'international, ou en Europe, eh bien on peut tout à fait créer une convention spécifiquement pour cet étudiant, notamment pour partir par exemple pendant la période de stage ou enfin voilà. Donc ça c'est. Mais il y a aussi Erasmus et stage, c'est-à-dire Ah oui, ça aussi il y c'est autre a chose. on peut partir Tout à fait. pour on échange au niveau universitaire, mais on Mais peut on peut, aussi ouais. et comme on a deux périodes comme tu disais C'est ça. très importantes de stage, et si on part de fait il y a quelqu'un qui part en Allemagne et qui va utiliser justement l'Erasmus Ouais. et stage. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il aura une aide financière pour partir en stage en Europe, dans le cadre d'une convention Erasmus. Voilà. Et bien entendu, vous pouvez nous contacter, hein, pour des questions plus spécifiques à vos parcours personnels ou plus spécifiques à l'un ou l'autre parcours. Vous trouverez nos coordonnées facilement sur Internet.
N'hésitez pas à nous envoyer des mails, on prendra le temps de faire des entretiens individuels. Je peux peut-être répondre à la question suivante, puisqu'il s'agit de la formation sur la migration que Sarah a faite. Alors, Sarah, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, mais donc il s'agit donc du DU Action sociale et migration. Il se trouve que je dirige aussi cette formation, qui est un DU qui s'adresse aux personnes engagées auprès de personnes migrantes ou qui souhaitent s'engager auprès de personnes migrantes, qui est une formation donc, sur un an, de 6 sessions de 3 jours, voilà, avec à la fois des cours plus théoriques, mais aussi des interventions d'experts et d'acteurs de terrain. Et donc, ça permet aussi de rencontrer la très grande pluralité des acteurs investis sur les terrains auprès de populations migrantes. Je ne sais pas si Sarah, vous souhaitez dire un mot là-dessus, mais très rapidement. J'avais déjà répondu un peu, mais du coup, effectivement, le master, c'est pas parce que Noémie est directrice du DU que j'ai eu le droit de le faire. C'est possible de suivre d'autres DU en parallèle du master. Ça s'organise, c'est sûr. Et faut savoir que le master est assez costaud. Enfin voilà, on a des semaines assez chargées et ça se fait. Voilà, c'est costaud, mais ça se fait et je suis pas la seule à avoir fait un DU en parallèle. C'est pas possible pour tous, mais c'est possible pour certains. À ce propos, il y a justement un DU entreprise et biens communs qui est suivi notamment par des gens du parcours économie solidaire, voilà, ceux qui s'intéressent plus à l'RSE, qui c'est un très bon complément puisqu'il est surtout axé sur des grandes entreprises, mais il y a intervention civile de paix, il y a solidarité internationale, donc il y a pas mal des DU et qui sont associés, qui peuvent être suivis en complément, et qu'il y a des conditions voilà, plus favorables pour s'inscrire quand on est déjà étudiant à l'ICP. Ouais. Conditions financières aussi plus favorables pour les étudiants en interne. Oui, effectivement, le DU Intervention Civile de Paix est un DU qui intéresse beaucoup les étudiants du parcours Action Humanitaire et Solidarité Internationale sur les enjeux de maintien de la paix. Voilà. Je ne sais pas si tu veux répondre. C'est quoi, Mehdi? Il y a sur la mémoire. On n'en a pas parlé. Ok, attends, parce que j'ai un peu. Oui, alors, en fait, on l'a dit, autant on aime un qu'on aime deux, et à la suite ou pendant qu'on fait le stage, il y a aussi la rédaction d'un mémoire, et pour nous, c'est un travail très important, c'est pas un rapport de stage, c'est un mémoire de recherche, et donc pendant le premier semestre, on donne des outils méthodologiques pour la réalisation de ce mémoire, et en aime un, c'est un travail qui est surtout centré sur la recherche bibliographique et voilà, l'étude un petit peu bibliographique. Et en M2, c'est un mémoire qui va plus être en lien avec l'expérience pratique. Et donc, voilà, c'est la possibilité de pouvoir faire une réflexion théorique sur une pratique de terrain. Donc, du coup, les deux années ont plus du stage la réalisation de ce mémoire. Et qui s'accompagne aussi d'une soutenance à la fin de une fois rendu le mémoire, et voilà, qui permet aussi de discuter avec un jury la réalisation du travail. Alors, les dates d'inscription, tu les as en tête? Et les dates d'inscription, alors les inscriptions sont déjà ouvertes. Ouais. Donc, vous pouvez déjà porter candidature sur le site de l'ICP. La clôture des inscriptions, il faudrait vérifier sur le site. Hein. Oui, je pense qu'en général, ça va jusqu'au début juillet ou fin juin, en fait, non? Non? Parce que, oui, je pense qu'il y a deux périodes. Voilà. Ouais. On a changé ça avec les nouvelles. C'est, ouais, c'est calé, ouais, sur le... Ouais. Alors, sur la question du niveau d'anglais pour le parcours HSI notamment, effectivement, on ne l'a pas mentionné, donc dans le cadre du master, il y a des cours de langue, donc les étudiants choisissent entre des cours d'anglais ou d'espagnol, mais il y a aussi des cours en langue et notamment des cours en anglais. Et c'est vrai que dans le parcours HSI, en M2 notamment, il y en a un certain nombre de cours en anglais.
Et du coup, on demande effectivement un niveau d'anglais correct. Alors voilà, on ne demande pas que les étudiants soient bilingues, mais d'autant que voilà, on apporte des cours de soutien en langue hein, à côté pour et on répartit les étudiants en fonction de leur niveau, donc vraiment dans l'objectif de les accompagner à partir de là où ils en sont. Voilà, il faut un niveau assez correct pour pouvoir suivre les cours en anglais. Dans le parcours SI, c'est un petit peu moins important parce que une grande partie des débouchés sont en France. Et donc, du coup, voilà, il y a moins de cours en anglais, notamment en M2. Et donc, c'est moins demandé. Mais de toute manière, on demande qu'il y ait une maîtrise de l'anglais. Et puis, pour ceux qui ont un bon niveau d'anglais, il y a aussi la possibilité de faire des cours d'espagnol. Et C'est donc, ça. dans les cours de langue, voilà, on peut faire de l'anglais ou de l'espagnol. Ouais. Sur le niveau d'anglais, je termine là-dessus. Hein, si vous souhaitez travailler dans le milieu de la solidarité internationale aujourd'hui, savoir parler en anglais et écrire un minimum en anglais, c'est une condition quasiment sine qua non, quoi. Donc effectivement, on s'inscrit dans cette nécessité-là, quoi. Alors, est-ce qu'on peut changer de parcours entre le M1 et le M2? Oui, tout à fait. On a des étudiants qui arrivent en M1 et qui sont un peu incertains, ou alors qui arrivent certains et puis qui, au bout de quelques semaines de cours, ne savent plus ce qu'ils souhaitent faire. Donc, du coup, on ouvre effectivement cette possibilité de faire un parcours en M1 et potentiellement de changer, mais ça se fait en dialogue avec nous et en accord avec nous, de changer en M2. Voilà. Combien de places sont disponibles dans votre master? On vise des promotions autour de 25-30 maximum. Surtout en M1, oui, en Ouais, M2, en M2 voilà, un peu plus nombreux. un peu plus parce que voilà, il y a. Mais en fait, oui, on peut dire entre 15 et 20 par parcours, en Ouais, fait. c'est ça. Donc Voilà, entre voilà. 15 et 20 personnes Mais de par toute parcours. manière, c'est des promotions petites parce que la plupart des cours sont des cours très participatifs et sous forme de séminaire. Et donc, du coup, voilà, on met un peu une limite pour que cette pédagogie participative puisse s'appliquer. Alors, il y a une question concernant le programme. J'imagine que c'est le planning, en fait, le planning des cours, comment il est distribué durant la semaine à peu près. En fait, vous pouvez partir du principe que les étudiants ont cours tous les jours de la semaine, voire parfois le samedi, du matin au soir. Donc, comme disait Sarah, c'est un programme, enfin, c'est un semestre de cours qui est un peu chargé. Pourquoi? Parce que justement, on a le stage qui commence en février. Et donc, en fait, on concentre le programme d'une année de cours sur 6 mois, ce qui fait c'est un programme un peu soutenu. Les étudiants ont un agenda, un calendrier indicatif qui leur est communiqué en début d'année, mais comme on a des enseignants qui viennent de tous les horizons, eh bien ce programme peut être amené à changer d'une semaine à l'autre. Et donc, du coup, voilà, on demande aux étudiants de s'adapter aux possibilités et à la disponibilité des enseignants. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Celle-ci. Quoi? On est accessible à au-delà de tout. Oui, en effet, le master est accessible à toutes les formations, donc à toutes les licences, parce que justement, comme on l'a dit au début, c'est un master interdisciplinaire qui mobilise autant l'économie, la sociologie, les lettres. En fait, on peut venir de toutes les formations, et de fait, c'est le cas. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de nos promotions, c'est le fait que les étudiants viennent des formations très différentes. Et il faut savoir aussi que, notamment en M2, on accueille des professionnels. Et qui viennent justement avec une expérience professionnelle et qui veulent, ça arrive souvent en économie, des gens qui viennent un peu de l'économie classique et qui veulent se réorienter vers l'économie solidaire. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de très riche
Cette croisement entre les gens de la formation continue et les gens de la formation initiale, parce que ça permet de croiser une formation plus théorique, celle de la formation continue, et une expérience de terrain importante comme celle qui emmène les professionnels. Donc, du coup, il y a diversité des disciplines, diversité des formations. Et aussi diversité d'expériences du fait qu'il y a des professionnels et des étudiants de la formation initiale. Je reprends la question de la langue qui apparemment n'a pas été très claire. Donc moi je parlais du parcours que je dirige, à savoir le parcours Action humanitaire et solidarité internationale, qui prépare au métier de la solidarité internationale. Et donc c'est effectivement pour ce parcours qu'on insiste sur l'importance de la langue. Voilà. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Pour vous donner un exemple, en Master 2 cette année, en Master 2 parcours AHSI, Solidarité internationale, on a une étudiante qui était ostéopathe pour animaux initialement et puis qui s'est très investie bénévolement dans le milieu associatif en France et puis qui a souhaité voilà, se réorienter professionnellement et qui est arrivée avec un projet. Un projet construit et en toute cohérence avec les objectifs du master. Et donc, c'est vraiment sur ces critères-là, en fait, qu'on sélectionne nos étudiants plus que sur leur trajectoire scolaire Sur des d'origine, connaissances quoi. Voilà, c'est ça. théoriques. Ouais. Mais le témoignage de Sarah s'inscrit Tout à là-dedans fait, aussi, tout à fait. puisqu'elle vient aussi déjà avec une expérience professionnelle, alors dans le social. Et ça, c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent du social, qui veulent s'ouvrir autant à l'économie solidaire qu'à la solidarité Tout à fait, internationale. tout à fait. Concernant la procédure de candidature, donc vous déposez un dossier sur le site internet de l'ICP et effectivement ensuite on propose des entretiens individuels durant lequel on va revenir justement sur le parcours, sur les motivations, sur les expériences d'engagement, sur les projets, etc. Et puis les réponses aux candidats sont données relativement rapidement en fait, hein. Après l'entretien, ça peut prendre un peu de temps entre le dépôt du dossier et le rendez-vous de l'entretien. Mais une fois que l'entretien individuel a été réalisé, en fait, la réponse en général vient assez rapidement, quoi. Oui, parce qu'on n'attend pas à avoir toutes les Voilà. candidatures et puis sélectionner. Au fur et à mesure qu'on a des profils qui nous semblent correspondre vraiment à la formation, et on donne tout de suite la réponse. Oui. Et puis, sachez aussi qu'on demande, quand vous allez voir la candidature, on va vous demander si vous êtes plutôt dans un parcours ou dans l'autre, mais sachez qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui ne savent pas, avant de commencer la formation, vers quoi s'orienter, et que même ceux qui sont candidats directement en M2, ça nous arrive que, voilà, dans l'entretien, de voir si voilà, c'est plutôt dans solidarité internationale ou dans économie solidaire. Donc, on peut vous aider aussi, mais en M1, il n'y a aucun problème puisque toute la première partie du semestre est le tronc commun. Et donc, justement, on donne là des éléments pour ensuite faire le choix. Et en M2, et si jamais vous portez candidature directement en M2, voilà, aussi là, on peut vous accompagner. Il y a une question sur les adresses mail. Ce qu'on peut vous communiquer peut-être pour que ce soit plus simple, c'est l'adresse mail de générique concernant les. Mince. Pourquoi ça reste allumé? Oui, ça reste allumé. C'est mes... C'est comme ça, mon C'est comme clavier. ça. ICP.fr, voilà. C'est donc l'adresse mail pour toute question concernant des masters au sein de la FACED, donc de la Faculté de Sciences Sociales, d'Économie et de Droit, auquel donc notre master est rattaché. Et ensuite, les questions seront renvoyées à la bonne personne en fonction de voilà, en fonction de votre question. Voilà, Sarah, à vous de voir si vous souhaitez donner vos coordonnées. Sinon, vous pouvez passer par nous et puis on mettra peut-être directement en lien avec Sarah. Ce sera peut-être sans doute plus simple. Et on peut aussi vous mettre en lien avec d'autres Ouais, anciens tout ou à des fait. étudiants actuels, parce que souvent, voilà,
Je vois que il y a un intérêt à retrouver un peu des étudiants qui ont passé ou qui sont actuellement dans la formation. Donc, selon le type de profil, on peut vous mettre en lien avec l'un ou l'autre. Donc, Ouais, tout à n'hésitez fait. pas à nous écrire si vous Ouais. voulez justement Ouais. être mise en contact. D'autant que voilà, on devait avoir une étudiante qui devait présenter le parcours HSI, qui est malade et donc qui s'excuse de son absence. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous. Mais donc n'hésitez pas, je peux tout à fait vous mettre en lien avec des étudiants du parcours Action Humanitaire Solidarité Internationale. Voilà, donc Sarah qui répond aux questions. Merci Sarah. Voilà, bah écoutez, si je crois qu'on. Si, je crois qu'on a fait le tour des questions. Bah un grand merci pour votre présence durant ce temps de présentation. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter Oui, s'il y a davantage de surtout, questions. voilà, si vous avez des précisions complémentaires, que ce soit au terme de parcours ou du contenu de la formation, on reste disponible. Voilà, et Voilà. Une très très bonne soirée à chacun oui. et chacune. Et à bientôt peut-être. Bonne soirée. Bonsoir et merci Merci Sarah et Sarah. merci Avec beaucoup. plaisir.